Si Alfa Romeo symbolise depuis bientôt 105 ans la sportivité, la performance et le plaisir de conduire, le style est une valeur forte et indissociable de l'image de la marque italienne, qui demeure sans doute la plus forte attraction pour le grand public. On peut en effet affirmer que le design si reconnaissable de ces modèles reste de loin l'une des clés d'entrée majeures dans l'univers Alfa Romeo. Il est ainsi instructif de juger de l'évolution du style Alfa Romeo à travers les faces avant. On y découvre les codes stylistiques de la marque et comment certains éléments iconiques du passé sont réinterprétés aujourd'hui avec encore plus de force. En particulier la calandre et les prises d'air latérales, qui forment un ensemble typique, toujours reconnaissable. Alfa Romeo est sûrement l'une des marques les plus interprétées par les grands carrossiers italiens. Cette particularité a fortement enrichi le patrimoine stylistique du Biccione grâce aux approches de chacun et des différents types de carrosserie. C'est pour cette raison que l'on peut trouver au cours de la même période des voitures aux lignes très douces, comme le Duetto, ou bien plus rigides et structurées, comme la Giulia. Le concept 8C Competizione est né de la nécessité pour le Centro Stile Alfa Romeo de se redéfinir à travers un modèle au style dynamique, clair et sans équivoque, à même de concentrer les thèmes des modèles à suivre. Est ainsi née une voiture intemporelle qui conjugue parfaitement les éléments particuliers du passé avec certains traitements, volumes et éléments nécessaires aux futurs modèles. Le style de la 8C fait référence à des modèles incroyables, à la forte personnalité comme la Disco Volante de 1952, la 33 Stradale de 1967 ou les Giulietta Sprint de 1954 et Sprint Special de 1957. Dans le développement du style Alfa Romeo, on peut identifier des éléments clés auxquels d'autres marques peuvent aussi se référer, mais aussi un langage spécifique à Alfa Romeo, puisé dans l'héritage, la tradition et l'histoire. Assurément, l'élément le plus reconnaissable des Alfa Romeo est la face avant, appelée le trilobo, et qui se compose de la calandre et des deux prises d'air latérales. Cette configuration, qui évolue au fil des années, a assuré au fur et à mesure une expression toujours plus nette et iconique. Le corps de la 8C Competizione se caractérise par des proportions qui lui confèrent beaucoup de sensualité et par une musculature marquée. Ce traitement des volumes constitue la signature qui permet de distinguer une Alfa Romeo de toute autre sportive. Ces concepts exprimés sur la 8C sont les mêmes que ceux utilisés sur la Mito, la Giulietta ou la 4C, et qui seront encore utilisés sur les futurs modèles. Présenté en 2003, le concept Alfa Romeo 8C est depuis devenu la matrice stylistique de l'ensemble des modèles lancés par la marque. L'Alfa Romeo 4C est la digne héritière de la 8C Competizione. Si sur le plan technique elle fait indéniablement référence au concept Scarabeo, en termes stylistiques, c'est plutôt vers la 33 Stradale que l'on doit se tourner de par son aspect aussi brutal que sensuel. Le projet 4C débute véritablement en octobre 2010 avec la recherche stylistique, les dessins et les idées qui serviront à la définition du modèle. Par ces dessins, on peut facilement comprendre le parcours effectué pour l'étude et la définition des volumes de la voiture. Tout est parti de l'intérieur, afin de donner l'espace nécessaire à la plantation du châssis en fibre de carbone. A ainsi été défini le volume à bord pour accueillir correctement deux passagers et loger un bagage à main dans le coffre arrière. Les nécessités aérodynamiques et les flux nécessaires au refroidissement de la mécanique ont ensuite été définis. Ainsi s'est consolidé le style de la 4C. Après avoir défini les éléments de style, place à la réalisation du modèle en clé. C'est une étape importante car on passe à une représentation tridimensionnelle à partir de laquelle sont redéfinis les volumes et où l'on va intégrer ou corriger certains éléments. En décembre 2010, commence la réalisation de la maquette à l'échelle 1. Cette image représente parfaitement la relation entre les mains d'un modéliste professionnel et la carrosserie d'une Alfa Romeo. Certains centres de style font appel à un usage intensif de software afin d'obtenir directement par les mathématiques le modèle final. Ce n'est pas la manière de travailler retenue par la marque italienne. En janvier 2011 débute la réalisation des intérieurs. Le concept propose un habitacle délibérément tourné vers le conducteur, la planche de bord génère une console qui enveloppe le pilote, et le siège du pilote est rouge quand celui du passager est noir. Nous sommes à quelques semaines de la présentation. Le montage du concept débute. Et voici l'Alfa Romeo 4C Concept. En mars 2011 à Genève, elle est officiellement dévoilée au grand public. Elle rencontre un succès retentissant. En 2012, la 4C Concept participe au concours d'élégance de Villa d'Este. Elle remporte le prix du meilleur concept. Dès lors, la 4C va débuter son parcours vers la version de série.
On passe désormais à la phase où sont intégrées toutes les informations techniques nécessaires pour passer d'un projet à un objet en phase avec toutes les contraintes techniques et d'homologation. À ce niveau, les mathématiques sont absolument nécessaires pour permettre un dialogue avec les techniciens et préciser les contraintes en matière de faisabilité. L'étude aérodynamique est très soignée afin de garantir les meilleures prestations en termes de CX, CZ et refroidissement moteur. On voit bien sur cette image les principales différences entre le concept et la voiture de série, touchant au rétroviseur, au projecteur et aux faces avant et arrière. Le modèle définitif se dévoile enfin. À la différence de l'extérieur, l'habitacle de la 4C a été profondément modifié pour répondre aux logiques prioritaires du projet et avant tout la légèreté. Néanmoins, le concept de l'orientation vers le conducteur est conservé, mais selon une voie diamétralement opposée à celle du concept. Vient s'y ajouter une instrumentation plus proche d'une Formule 1 ou d'une moto. Avec les commandes au volant, le pilote peut ainsi parfaitement contrôler les informations concernant la voiture. On découvre enfin l'habitacle définitif. L'usage massif du carbone, symbole du projet, se marie avec l'aspect artisanal des sièges en cuir, dont le dessin typique se réfère à l'univers Alfa Romeo. Dévoilée en 2014, la version Speeder est dérivée du coupé. Elle est commercialisée cette année. L'équipe ayant travaillé sur le projet 4C pose fièrement devant son œuvre. Au centre, Marco Tancone, en charge du style pour Alfa Romeo, Lancia et Maserati au sein de l'Officina Ottantatré. À sa droite, Alessandro Maccolini, responsable du style extérieur Alfa Romeo. Je cherche de vous raconter quelque chose de la voiture. Là, on a identifié les volumes principaux de la voiture, donc ça, pour chercher un peu de reconstruire la section du capot. Là, une autre ligne pour chercher de reconstruire la forme qu'il y a à l'avant où on va après représenter les trilobos. Les trilobos, c'est les scudettes au milieu avec les deux bouches à côté. Et la chose qui est très importante, c'est de travailler sur les sections pour avoir ce que vous voyez sur la voiture, donc une forme encore de la voiture très musclée, très fluide, très sensuelle. Et ça, c'est vraiment très important pour Alfa Romeo. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette section. Là, on passe autour du muscle de côté, on arrive sur le capot. Et puis on va sur l'autre muscle. Dans le milieu, il y a la V. La V qui est très importante parce qu'elle va dessiner un peu et va continuer par la cabine de la voiture et va tomber à l'avant. Et puis on retrouve cette ligne qui va générer, comme je disais tout à l'heure, les scudetto Alfa Romeo. C'est très important de jouer sur la tridimensionnalité. Donc d'avoir une description très importante. Donc ça c'est le scudetto, là on retrouve le trilobo avec les deux bouches à côté. La ligne théorique qu'on retrouve sur la musculation elle va dans la bouche, elle va tomber dans la bouche et va produire les deux parties noires qu'il y a donc dans ces éléments-là. Et puis il y a deux petits éléments stylistiques qui sont nécessaires pour donner quand même un peu de caractère dans la bouche de la voiture. Très important d'avoir une cabine très serrée, très fermée. Et pour avoir la sensation que la voiture soit compacte. Donc cette sensation elle est vraiment très importante. Une autre caractéristique, c'est sur le capot, vous avez cette ligne AV qui a une tridimensionnalité. Donc pour souligner encore une fois le capot de la voiture, donc si on imagine la section, nous avons un mouvement qui va monter, puis descend, et puis encore une fois, ici, vous le voyez, il y a la ligne d'ouverture. Les capots dans cette voiture, on ne peut pas l'ouvrir. On l'ouvre seulement pour des raisons techniques. Mais c'est quand même nécessaire pour, comme justement je disais, pour si on doit faire de l'entretien sur la voiture.
Ça, c'est un peu la figure plus importante, le visage d'Alfa Romeo, le trilobo. Sur 4C, il est vraiment très iconique, c'est-à-dire qu'on n'a pas des éléments ajoutés dedans. Et si on regarde l'histoire d'Alfa Romeo, on retrouve vraiment une transformation de cette face d'Alfa Romeo dans l'histoire. Et ben voilà.